mon conseil du jour, courez voir une journée ordinaire au Théâtre des Bouffes Parisiens, car vous ne passerez pas une soirée ordinaire, vous passerez même une soirée extraordinaire, parce que rarement on a eu l'impression au théâtre de regarder par le trou de la serrure et de s'infiltrer dans des discussions de famille, et pas n'importe quelle famille, puisque le papa c'est Alain Delon et la jeune fille c'est Anouchka Delon. Donc c'est vrai que évidemment la pièce a été écrite sur mesure pour Alain Delon. Il avait envie de jouer avec sa fille Anouchka qui est débutante et qui a quand même sur ses épaules une sacrée pression parce que son père croit beaucoup en elle, il l'a dit partout pendant la promotion et moi ça m'aurait foutu les jetons personnellement. Mais elle s'en sort très très bien, j'étais à la générale de la pièce, il y avait non seulement Delon sur scène, bon son père, mais dans la salle il y avait Jean-Paul Belmondo, Jean-Pierre Marielle, enfin tout le métier. Elle a été d'un calme olympien, évidemment c'est un rôle d'adolescente qui prend son envol, qui annonce à son père qu'elle a envie de vivre sa vie, de partir avec son fiancé. Donc c'est une situation qu'elle a vécue elle-même un an ou deux avant. Mais c'est quand même une belle performance. Je tire mon chapeau à Jean-Luc Moreau, qui est le metteur en scène de ce spectacle, qui a dû quand même gérer un monstre sacré et une toute jeune fille, toute débutante. Il s'en est très très bien sorti. Et puis Éric Assous, qui est l'auteur de la pièce, qui n'est pas le pire, hein, qui a quand même toujours 3-4 pièces sur le feu, a écrit là ouais, un vrai rôle sur mesure. Et à la fin de la pièce, Alain Delon est vraiment en larmes. Et j'ai l'impression que ce sont des larmes pas seulement de comédien, parce qu'il se confie. Et on a l'impression quand même que ce papa qui voit partir sa petite fille devenue grande, je pense qu'il en a souffert au moment où il l'a vécu lui-même. Ça se sent, donc c'est plein de sincérité des deux côtés. Ce n'est, je le répète, pas une soirée ordinaire. Donc allez voir Une journée ordinaire d'Éric Assous au Théâtre des Bouffes Parisiens.